Vous pouvez. Je suis né dans une famille de juifs polonais. Arrivé en France, mon père en 22 et ma mère en... Non, mon père est arrivé en janvier 23 et ma mère en avril 24. Donc, ils avaient fui la Pologne, qui était à l'époque sous l'emprise d'une dictature. Et comme beaucoup de juifs polonais, ils n'avaient plus le droit de travailler, ils étaient persécutés. Ils sont arrivés en France très nombreux, puisqu'il y en avait dans la région parisienne quelques 50 000 quand la guerre a éclaté. Et mes parents étaient très fiers d'avoir des enfants français. Moi-même, à 10 ans, j'étais un petit patriote, qui parlait triomphalement des colonies françaises et du drapeau tricolore. Et on avait appris l'histoire dans les manuels d'Ernest Lavis, qui était quelque chose d'un peu plus grave que Michelin, mais enfin, on a été éduqués comme ça. Et mes parents étaient heureux de vivre dans ce pays. Et puis, quand la guerre a éclaté, très rapidement, après l'arrivée des armées allemandes, le 14 juin 1940, on a très vite compris, ma sœur et moi, qu'on était plus des petits Français comme les autres. Et ça s'est... les choses se sont accélérées, puisque très vite, en octobre, il y a eu le statut des Juifs de France, qui interdisait à peu près tout, comme activité. Et puis, il y a eu les premières rafles, au mois de mai 1941, deux de mes oncles ont été arrêtés à Paris. Et on a vécu dans les mois qui ont suivi, on a vécu dans la crainte d'être raflé à chaque instant, pour une raison simple, c'est que les enfants de cette époque, particulièrement les enfants d'immigrés de Pologne, avaient la mémoire de leurs parents, avec les persécutions qui avaient eu lieu dans la Russie, dans la Pologne russe, avec les pogroms. Donc mon enfance a été nourrie de tout ça. Et mon père disait toujours, avant la guerre, en souriant, heureusement que ça n'arrivera jamais en France. Et c'est arrivé. Donc on a eu le marquage, c'est-à-dire l'obligation de se déclarer, la carte d'identité, le permis de séjour avec le tampon juif dessus en grosses lettres, ce que j'appelle le marquage, la constitution, le fichier, après la déclaration, les commissaires de police, et puis les premières rafles, et puis les humiliations stupides, comme l'interdiction d'avoir un poste de radio. Mais à l'époque, la radio n'était pas populaire, ça coûtait plus cher qu'un poste de télé. L'interdiction d'avoir le téléphone, qui n'était pas tellement répandu, mais c'était une humiliation supplémentaire. Et puis sont arrivées les mesures les plus graves, c'est-à-dire le 7 juin 1942, l'obligation de porter cette étoile jaune, à partir de l'âge de 6 ans. Et un mois plus tard, le 9 juillet 1942, l'interdiction de pénétrer dans les lieux publics dès lors qu'on porte l'étoile. Interdiction d'aller dans un cinéma ou dans un stade, interdiction d'aller dans un square, interdiction d'aller dans un magasin, sauf entre 3 et 4 quand les magasins étaient fermés, ou quand il n'y avait plus rien à vendre parce qu'il y avait les restrictions. Et humiliation suprême, si on peut dire, interdiction de prendre le métro ailleurs que dans le wagon de queue. Et à l'origine, j'ai un document ici terrifiant. C'était une ordonnance allemande qui imposait ça, mais le gouvernement de Vichy avait, dans cette perspective, demandé l'interdiction aux nègres, c'est dans le texte, de prendre le métro ailleurs que dans le wagon de queue. Et les nazis eux-mêmes ont trouvé ça excessif.
c'est montrer la duplicité de pouvoir du Pétain. Ça, c'était le 9 juillet 1942. Et puis la rafle dite de Veldiv est intervenue le 16 juillet 1942, à 5h du matin, on cognait à notre porte, ouvrez de police. Alors j'ai été avec ma soeur et mes parents, on a été arrêtés ensemble. Et puis séparés de nos parents dans la journée, pour des raisons que j'ignore encore, on nous a remis en liberté. Et pendant les 2 ans qui ont suivi, ma soeur et moi, on a rasé les murs, parce qu'on craignait beaucoup plus la police française que les Allemands. Non pas que les Allemands étaient innocents de tout ça, pas les nazis. Quand je dis les Allemands, je veux dire les nazis. Mais ils laissaient faire le travail par leurs mercenaires français, ce qui permettait à la population de penser que c'était une affaire franco-française. Donc on a vécu comme ça dans cette terreur sans nos parents pendant 2 ans, dans des conditions qu'on ne peut même plus imaginer maintenant. Et donc on a survécu. Donc on a vécu cette période sans que notre arrestation ait eu lieu à Vincennes. On n'a jamais été, contacté pour des aides quelconques, ni par la Croix-Rouge, ni par les services sociaux. Et heureusement, à la limite, parce qu'on nous a vraiment oubliés. Quoi. Mais il y avait quand même dans ce pays de bons citoyens, si j'ose dire. Moi, j'étais devenu apprenti joaillier. Je prenais le métro à Vincennes et j'avais droit qu'au wagon de queue avec l'étoile. Et un jour, comme il n'y avait pas beaucoup de métro à cause des bombardements, j'étais sauté dans le premier wagon venu. Et un brave homme est venu vers moi, une décoration, je ne sais pas quoi, m'a tapé sur l'épaule pour me dire « c'est pas ton wagon ». C'était pas la majorité de la population, mais ça existe. Il y a des gens qui étaient ou satisfaits ou complètement indifférents de ce qui est arrivé. Et dans le silence des églises, les protestants étaient les premiers à réagir un peu, à créer des filières d'évasion. L'église catholique expliquera après la guerre, enfin les évêques, qu'ils ne voulaient pas mettre en danger les officiants. Il y a eu une seule intervention importante. C'est à la fin du mois d'août 1942, quand l'archevêque de Toulouse, Saliège, a réagi. Enfin, il était unique dans son genre, avec l'évêque de Montauban, à réagir ainsi. Mais c'est parce qu'on avait, à ce moment-là, arrêté des Juifs en zone non occupée. Tout cela a été ensuite convoyé vers Drancy, ce que les Allemands n'avaient pas demandé. De même, l'arrestation des enfants n'avait pas été demandée par les Allemands au départ. Mais il y a eu quand même, sur le 16 juillet 1942, 4150 enfants arrêtés. Et sur les 2 années qui allaient suivre, 11 000 enfants qui sont parvenus. Et vous aviez quel âge alors? En 42, j'avais 14 ans. 14 ans. Donc ça permet de fixer un peu la mémoire. Bon, j'ai une bonne mémoire, je suis devenu historien, donc la mémoire m'a beaucoup servi. Mais la mémoire ne suffit pas. Les documents sont importants aussi. Tout à fait. Justement, les documents, on va les prendre en photo et puis vous n'avez plus rien à ajouter, c'est bon. Non, je dis l'essentiel. Il se trouve qu'après la guerre, j'ai été, comme beaucoup de garçons et filles de mon âge, on avait qu'une idée en tête, une fois libéré, c'est de faire la révolution. On voulait tout foutre en l'air. Vous aviez raison. Et je me suis retrouvé avec d'autres aux jeunesses communistes.
Mais comme apparemment j'étais pas dans la ligne, j'ai été expulsé à 18 ans comme provocateur policier. Et ça, c'était le truc de l'époque. Hein. Oh, c'est un grand mot, le message. Le message, je le dis souvent dans les écoles, quand je vais dans les écoles, c'est de ne pas succomber au rejet de l'autre, quelle que soit sa couleur de peau. Et il m'est arrivé de dire, ici à Cachan, un garçon dans une classe de bon moyen 2, un garçon très africain, noir d'ébène, je lui disais, quand je portais cette étoile, aux yeux des flics, j'étais aussi noir que toi. C'est ça le message.